Salut à tous, c'est Antonin et Henri, et on va vous parler de la fécondation. Alors la fécondation, c'est quand le spermatozoïde, qui est un gamète mâle, rencontre l'ovule, qui est un gamète femelle. Chaque chromosome n'a qu'une seule chromatide. Les cytoplasmes font ensuite fusionner, on appelle cela la cytogamie. Il y a une réplication de l'ADN, donc les chromosomes ont deux chromatides. Nous allons ensuite obtenir deux chromosomes à deux chromatides de chaque côté. Ensuite, il y a l'étape de la karyogamie où les chromosomes à deux chromatides se rassemblent. On obtient donc deux paires de chromosomes à deux chromatides. Après cela, il va y avoir une migration de chaque chromatide vers des pôles opposés de la cellule. Au final, nous obtiendrons deux cellules avec une grande chromatide femelle ainsi qu'une mâle et une petite chromatide femelle ainsi qu'une petite chromatide mâle qui forment donc deux paires à une chromatide.